stand next to your fire. All right. Outside cooking. Oh, attends, là, le son pis tout. Là. Je vais régler ça. Vite. On règle ça. Ça part bien. Ça, tu sais que ça part bien. Quand tu t'entends double. Là, je pense que c'est pas pire. Mais là, j'ai perdu mon angle de caméra. Vive les lives. Deux caméras. Attends, je vais régler ça. C'est pas long. OK. Le micro est fermé. Ça devrait le faire. Salut tout le monde. Les commentaires, bordel. Plus facile quand je suis assis devant un bureau. En mode ta coach chez nous. Sup, boy. Salut, Yannick. Salut tout le monde. Alex de Projet Barbecue. Puis ça, ben ça, t'es déjà au courant parce que t'es là. Aujourd'hui, je fais ça en collab avec quelqu'un. Je veux vous montrer quelque chose que je trouve absolument hallucinant. Le Super Bowl s'en vient, tu cherches des recettes, puis là, tu connais le principe, là, tu sais, les 9 recettes, les 5 recettes en 5 jours, calme-toi avec 9, je ne livrerai pas, mais 5 recettes dans les 5 prochains jours. Donc, de lundi à vendredi, chaque jour, on va avoir une nouvelle recette sur le site, des recettes de fou, sérieusement, c'est complètement des recettes de fou. Dimanche, à peu près 4h53, je vous présente les ribs. Aujourd'hui, je montre la côte de flan. En fait, comment faire la côte de flan? Je veux juste me l'approcher un peu, là. Checker sur l'autre cam. Là. C'est checker l'épaisseur de cette côte-là, qui est absolument hallucinante, sérieusement, pour une côte de flan. Normalement, les côtes de flan du Québec, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est des côtes qui sont beaucoup plus fines, beaucoup moins... Je donne un peu trop de props là, au gars de. je vais tasser ça pour qu'on voit comme il faut. En fait, c'est une côte qui est beaucoup plus fine ici. On aime beaucoup le produit américain parce que c'est beaucoup plus charnu. Je suis allé voir mes boys du rang 4. J'ai mis le logo dans le coin. Le rang 4. Tu veux absolument checker ça. Je suis allé voir mes boys du rang 4. Puis mon chum Marc-André m'a montré. Il dit Alex, il dit on a de la nouvelle côte de flan qui est absolument hallucinante, qui est vraiment. Hyper charnu, là. J'essaie de bien le montrer, là. Qui est hyper charnu, il y a beaucoup de viande, ça. Ils se sont achetés une machine spéciale pour faire ça, tout ça. Là, présentement, je vous dis ça, là, si vous avez une idée pour le Super Bowl, vous cherchez quelque chose à faire pour le Super Bowl, leurs côtes de flan sont à 1,25 la livre. 1,25 la livre, ça n'a comme aucun sens comme deal. 1,25 la livre. Le deal est là. Fait que je me suis dit, je vais vous montrer un peu comment moi je fais les côtes levées. Donc, ça va peut-être vous donner des idées. En même temps, likez, partagez, faites tout ça. Là, je sais que vous êtes bon là-dedans. Je vais vous montrer un peu comment on prend une côte de flan pour en faire une côte Saint-Louis, tout simplement. Parce que c'est ça. On parle de barbecue à l'américaine, de compétition, puis tout ça. On va aller chercher ce qu'on appelle la côte levée coupe Saint-Louis. Donc, je vais vous montrer comment faire la coupe. Fait que si vous voyez un peu le. Ça, ici, ça, le bout, on n'en veut pas nécessairement. Puis le côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment couper hyper bien. J'ai deux caméras, là, je ne suis pas obligé de faire ça. Fait que dans le fond, je vais me tirer un trait ici. Ce que je veux, c'est avoir quelque chose de plus rectangle possible, vraiment quelque chose de vraiment clean. Il ne fait pas chaud en passant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir me couper un piece ici, comme ça. Puis, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Fait que dans le fond, on a les os ici. Mon dernier os va arrêter à peu près ici. Là, on a de 10 à 11 os là-dessus. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de vraiment even. Fait que ce que je vais venir, je vais couper ça, that's it. Voici, ça, c'est la côte Saint-Louis, OK? Quand on parle de coupe Saint-Louis, c'est comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'excédent. Je me suis fait des morceaux hyper réguliers. C'est pour ça qu'en compétition, on utilise beaucoup plus la côte de flanc, en fait, que la côte de dos. Pour aller chercher vraiment une coupe qui va être hyper, hyper uniforme. Là, on le voit quand même assez bien là, à quel point toutes les os sont égales. Fait que quand tu mets ça dans une boîte en compétition, tu as un meilleur résultat parce que justement, tu as plus de choix au niveau de tes os puis tout ça, puis tes os sont plates et ne curvent pas versus la côte de dos. Puis c'est un peu ça qui est le problème quand ceux qui veulent faire de la côte de dos en compétition. En parlant de compétition, je fais une parenthèse là-dessus. C'est ça, là. Les fêtes gourmandes, la Nodière. Il y a une compétition de barbecue. Vous pouvez vous inscrire sur le site des fêtes gourmandes ou quoi que ce soit. Si vous êtes amateur, si vous avez toujours voulu essayer
les compétitions de barbecue. C'est une compétition amateur, mais un peu de avec les mêmes viandes que le professionnel. Normalement, c'est deux viandes. C'est une amateur avec quatre viandes. Fait que si vous voulez vraiment vivre l'expérience au complet, allez vous inscrire. C'est vraiment cool. Je fais partie du comité avec les gars d'Alpha Barbecue, Boucherie Belle-Rose. On est une gang là-dedans. Fait que, bref, si ça vous tente, allez vous inscrire. Fait que là, voilà, aussi simple que ça. Hein, j'ai coupé. Je vais vous remettre les morceaux. Là. On a une bonne angle de vue comme ça. Là. J'ai un morceau ici et un morceau ici. Que je suis simplement venu vraiment tirer un trait. Et tirer un trait. Deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enlever la membrane en dessous. Là, sur une côte de flanc versus la côte de dos, tu vas avoir une membrane vraiment tout le long. Côte de flanc, tu as une petite affaire plus de travail à faire. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le petit flap ici. Puis ça, c'est pas des pertes. Hein. Ça, ces morceaux-là, vous gardez ça, vous mettez ça dans vos chilis, dans vos bins. Et pour faire de la viande à tacos, je peux tout cuire ça après. Là, je ne perds absolument rien là-dedans. Fait que je vais faire une petite cuisson à côté de ça. Si vous avez des questions, en passant, allez-y, là, ces questions. N'hésitez pas. Je suis un peu là pour ça. Fait que ce que je vais faire après, bon, mais la plupart du monde qui font du barbecue savent déjà, un couteau à beurre, le plus cheap que tu as, okay? Le plus cheap que tu as dans ton armoire, c'est ça qui va t'aider à retirer la membrane, qui est pas mal la première étape. Fait que ce que je fais, c'est que je glisse mon couteau vraiment sur le long de la membrane. Je vais découper ça. Si vous ne connaissez pas le Rang 4, en fait, là, c'est mes amis d'enfance, ces gars-là. C'est ça qui est malade. Puis là, il commence à donner un petit push dans le barbecue. Puis il arrive avec des côtes de flanc. C'est un éleveur de porc à la base. Puis là, les marchés du Rang 4 sont arrivés. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de projets. Puis là, il arrive avec une. Sérieusement, la côte de flanc. J'étudie 1,25 la livre. 1,25 la livre. Il y a un marché à Joliette. Il y en a un à la. Mascouche. Il y en a un à Mascouche. Sûrement que vous pouvez aller checker aussi là, par le site web ou s'il y a des façons de s'arranger pour avoir ça. Fait, enlever la membrane aussi simple que ça. Si vous avez regardé l'autre écran, j'ai tout simplement passé mon couteau en dessous, comme je disais, le long de l'os. J'ai tiré. Si jamais vous avez de la difficulté ou de la résistance, prenez un papier essuie-tout. Ça va super bien pour enlever ça. Fait que là, moi, ce que je fais, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais moi, je vais toujours aller gratter un peu l'excédent de gras parce que c'est pas nécessairement quelque chose que je veux en dessous. J'aime bien avoir la viande. Ce gras-là ne coulera pas, ne nourrira pas la viande ou quoi que ce soit. C'est vraiment le gras intramusculaire qui va être important dans ce cas-là. Donc, première étape est faite. Deuxième étape, c'est facultatif. Tu le fais si tu veux, tu le fais pas si ça te tente pas. Hey, je vous ai dit de partager le live. Partagez le live. Vous le faites si vous voulez, vous le faites pas si vous voulez pas, les deux sont acceptés. Moi, personnellement, j'aime bien injecter mes ribs parce que ça amène un autre profil de saveur, ça amène un autre layer à tout ça, fait que c'est quand même intéressant. Tu veux injecter ou pas, c'est ton choix. Moi, je vais aujourd'hui avec le mélange What the Pork, Squirt et Sugar Daddy Bacon qui ont un mélange pour le porc, il y en a un pour le poulet, il y en a un pour le bœuf. Si tu n'as pas ça dans ton armoire, ça prend ça. Avant, les options étaient seulement américaines. À ça, on a deux options québécoises. Moi, perso, j'ai un gros, gros coup de cœur. Je le remonte encore. Là. Un gros, gros coup de cœur pour les injections. What the Pork, Sugar Daddy Bacon, hashtag Squirt. Est-ce que Facebook peut me bannir parce que j'ai dit Squirt? Je ne penserais pas. Là, au niveau de la seringue, là, prenez la seringue que vous aimez, prenez celle que vous voulez. Moi, perso, là, ce que j'aime beaucoup, là, petite seringue comme ça, une petite seringue Butcher Barbecue, 3$. 3$. Quand elle ne fait plus, je la jette. J'en prends une autre. Bon, au niveau des. Attends, j'essaie de vous le montrer comme il faut. Là. Okay. Je fais mon chemin avec ma seringue, OK? Fait que dans le fond, mon aiguille va rentrer, je vais faire mon chemin avec. Ce que je fais, c'est en sortant ma seringue tranquillement, c'est là que je vais faire mon injection. Pour vraiment éviter de faire une poche d'injection, ce qu'on appelle. Fait que dans le fond. Tu veux pas, si tu vas te mettre au bout d'un, ça va revoler partout. Puis de deux, tu vas pousser ton injection, mais qui va rester dans une poche d'injection. Puis ça, tu veux pas ça. Fait que ce que je fais, c'est que vraiment, entre chaque os, je vais aller injecter. En ressortant tout le temps avec la même technique. Là, ça se peut, ça revole, mais écoute, moi, j'aime bien ça quand ça revole. Fait que là, je vais le faire en vitesse un petit peu. Sérieusement, guys, là, j'ai jamais vu une côte de flanc
québécoise aussi, charnue que ça. Sérieusement, je vais le dire 4 fois, là, ça va être réglé. Là. Sérieusement. Rang 4, allez checker ça. 1,25 la livre. Tu veux régler ton party de Super Bowl pour genre pas d'argent? Parce qu'on s'entend à ce prix-là, tu sais, il t'est donne, puis c'est un peu la même affaire. Là. 1,25 la livre, c'est les plus belles côtes de flanc québécoises que j'ai vues ever. Puis je dis pas ça parce que c'est mes chums, je dis ça parce que c'est vrai, parce que sinon, j'aurais pas fait le live aujourd'hui. Fait que je voulais absolument en parler. Bon, j'ai injecté. J'ai rien emmené pour éponger. Bon, normalement, j'aurais épongé. Je le ferai pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je la retourne de côté. Moi, personnellement, je vais tout le temps rubber ou mettre mon mélange d'épices du côté inverse en premier. Pourquoi? Parce que, hey, ça me gosse un peu, par exemple, le pas de linge. Parce que, je vais juste cleaner ça un peu. J'assume pas. J'ai pas fait ça. Bon, OK. Fait que je vais tout le temps y aller avec le côté en dessous en premier. Pourquoi je vais avec le côté en dessous en premier? Parce que quand je veux que mon dessus soit vraiment beau, fait que je veux vraiment que quand je le revire ou quoi que ce soit, je ne perde pas mes épices, je garde le même ratio. Aujourd'hui, ce que je vais utiliser, j'utilise les épices du chum Simon de l'Est. Si vous ne connaissez pas cette gamme d'épices-là, Simon Barbecue, les produits sont hallucinants. Là. Il y a 4 produits. Il y a jalapeno érable, il y a ail rôti et miel. Il y a celle-là, il y a Applewood. Donc, la Montréal, qui n'est pas une Montréal bœuf, si on veut, là, c'est vraiment plus une Montréal rub. Je pense que c'est comme juste un signature parce que c'est un produit qui est sorti aux États-Unis en premier. Fait que là, on va aller rubber ça. Vraiment, ça by the way, là, je vous en parle parce que je suis là. Quand vous rubbez pas trop haut, rubbez pas trop proche, gardez-vous genre un 6 pouces. Ça va vous faire vraiment une répartition du rub qui est vraiment... Vraiment, vraiment, ben, égal en fait, parce que tu veux que ça soit le plus égal possible. Donc, je vais aller revirer ça. Je fais la même étape de l'autre côté. Donc là, tu veux qu'il y en ait vraiment partout. Là, tu t'en mets. Moi, je m'en mets tout le temps un petit peu sur la planche parce que je suis wild de même. Je vais m'en mettre un peu sur la planche. Qu'est-ce que je vais faire? Dans le fond, je vais aller faire mes côtés parce que je veux que mes côtés soient faits aussi, évidemment. Je vais aller chercher mes côtés. Le top, le bottom. Puis là, c'est un gosse parce qu'il en manque un petit peu ici. Pas besoin de... Tu sais, quand on dit rubber, là, frottez pas comme des freaks. Là. Faites juste au pire, tu sais, tapoter un peu, juste pour être sûr qu'il est bien en place. Là, ce que j'aime rajouter, mon go-to, normalement, je vous dirais que ça... Et mon go-to en deuxième layer ou en deuxième couche. Gang Addiction, pour moi, c'est un rub absolument fou que j'utilise dans tout. Aujourd'hui, je vais y aller dans On garde le thème Québec. Je vais y aller avec le miel épicé. Si vous ne connaissez pas ça, c'est super intéressant comme produit ou comme dust. Le miel épicé du Chum LL Prohibition. Hey, je vais aller checker les squirts. Puis il aime ça quand ça revole. Yeah, right, baby! C'est toujours mieux quand ça squirt. Ouais. Il te manque juste un bon verre de gin norrois pour ce... Eh bien oui, hey, je l'ai oublié en dedans. Je l'ai complètement oublié en dedans. D'ailleurs, là, la liqueur de citron, la liqueur de prune, la liqueur de framboise, tous ces produits-là que je suis allé chercher récemment chez les chums de chez Norrois sont absolument hallucinants, qui se mixent avec plein d'affaires. Et d'ailleurs, j'ai une petite sauce ici là, qu'on va utiliser tantôt. Là. Cette sauce-là, la magie là-dedans, là, liqueur d'érable. Joe, on s'en reparle de ça d'ailleurs. What's up? Hein, Joe Lagacé qui est en place. Fait que moi, je vais mettre ça, le miel épicé, je vais mettre ça comme un mist dans le fond, ou comme un dust, qui est vraiment une deuxième couche parce que, en fait, à moins qu'il soit gelé. S'il est gelé, je ne le ferai pas. Attendez. On l'a. Parce que l'os Montréal, en fait, ben, le rhum Montréal que j'ai utilisé, il y a quand même des morceaux qui sont un petit affaire plus gros. Fait que dans le fond, je viens tout combler un peu l'espace restant avec le miel épicé, qui est un rhum très, très fin, en fait. Prends le temps d'aller le chercher, mec. Ah, trop de gestion. Je vais boire l'injection à la place. Donc,
aussi simple que ça. J'ai injecté, j'ai enlevé ma membrane, j'ai fait ma coupe Saint-Louis. On voit là. Hey, sérieusement, guys, là, je le redis encore, là, 1,25 la livre en 4. Le flan, il est genre ça d'épais, là, ça n'a aucun sens. C'est... Au Québec, j'ai jamais vu ça. Au Québec, j'ai jamais vu ça. Puis je sais qu'ils ont investi sur une machine, justement, qui va venir faire cette coupe-là puis qui va laisser un petit peu plus de viande sur le top. En tout cas, moi, je suis super... comment je dirais ça? Je suis impressionné du produit énormément. Là, on va aller voir ce qui se passe dans le grill parce qu'on est un peu là aussi pour ça. Fait que là, aujourd'hui, je travaille sur l'Yama. Je vais essayer de... Attends, je vais juste enlever mon gant parce que ça ne me tente pas de tout saloper. Puis je vais en mettre d'autres. Fait que là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un rack qui est prêt à être emballé. J'ai un rack qui est emballé, qui va être prêt à la fin du live, que je vais vous expliquer aussi le processus puis tout ça. Puis j'ai mon autre rack qui s'en va dans le Yama. Yama, super bonne machine, super bien isolée. Là, j'ai parti ça. Je l'ai parti bien d'avance en plus. Puis je dirais qu'il reste encore la moitié du charbon. Fait que j'en ai vraiment pour un bout. Là, je vous remets ici. Ben ouais, c'est ça. Essaye de tout gérer. Ah ouais, donc, producteur. Bon. Ça l'a fait pareil, hein? 1,25 la livre, c'est vraiment pas cher, même moins cher que l'épicerie. Crissement moins cher que l'épicerie. Puis, écoute, c'est un produit, c'est des éleveurs. Ils élèvent de façon organique, naturelle, puis tout ça. Allez, vous irez voir sur la page, là, le rang 4, il explique un peu comme le processus, puis tout ça, comment il élève. C'est mon chum d'enfance, là, vraiment, là, un de mes bons potes qui s'occupe des cochons du matin jusqu'au soir. Fait que c'est vraiment un cochon extrêmement d'un de qualité. Ils ont plein de produits transformés aussi. Ils font leur bacon, ils font des plats préparés, tout ça. Si vous ne connaissez pas, sérieusement, c'est une belle découverte. Fait que là, mon étape 1 est fini. Là, ça aussi, c'est la magie. Ça, c'est notre magie, OK? Là, on ne le verra pas parce que ben, il y a gelé dedans, OK? Il y a gelé dedans, c'est ça qui arrive. Il y a gelé dans la paille. Mais ça, à chaque... Puis là, moi, j'ai ça. Mais tu sais, je pourrais avoir un petit spray normal, puis ça serait correct aussi. Là. À chaque, peut-être, 30 minutes, 20, entre 25 et 35 minutes, je vais venir vaporiser. Je vais venir vaporiser mes ribs dans le but de, un, garder une certaine humidité, de, deux, augmenter ma croûte d'épices. Parce que je veux avoir un bark le fun. De là, la raison pourquoi j'emballe dans du papier aussi bouché versus du papier d'aluminium. Je vais tout vous expliquer ça. Restez là. Donc, à chaque 25-35 minutes, puis ça va rajouter une autre couche de saveur, en fait. Fait que qu'est-ce que j'ai dans mon mélange? Le mélange de base de ça, c'est du jus de pomme, c'est du vinaigre de cidre. C'est peut-être un peu de... Moi, je mets un peu de sirop d'érable. Je mets un petit peu de sirop d'érable. Le ratio, c'est à peu près, mettons, 300 ml pour 100 ml pour 50 ml de sirop d'érable. 300 ml de jus de pomme, évidemment. Mais si tu veux mettre de la bière, si tu veux mettre, écoute, du Coke, du Pepsi, du Dr. Pepper, whatever, là, tu sais, du jus de mangue, du jus de mangue, c'est super bon. Du jus de poire, c'est super bon aussi. Fait que tu sais, t'as comme pas trop de limites par rapport à ce que tu peux mettre là-dedans. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça ici pour le mettre dedans. Mais juste avant, je vais me mettre une plaque parce que là, je suis pas très contamination croisée. Je vais juste mettre ça de côté, temporairement, ici, ça, ça en va au fumoir, slash barbecue, slash Yama, slash machine de guerre, slash je vais un petit peu, parce qu'ils sont vraiment huge. Là, papier bouché, pourquoi je prends du papier bouché? En fait, papier bouché, ton Yama est à combien? Mon Yama, moi, je fais mes ribs à peu près à 300-325. J'aime pas ça faire... Tu sais, si je peux le faire en 3 heures, je vais le faire en 3 heures. Je trouve qu'au niveau, surtout quand tu injectes, au niveau texture et tout ça, il n'y a pas grande différence. Fait que, tu sais, tu peux aller à 225, elle est vraiment, vraiment plus smooth. Moi, perso, je suis plus un gars de 300-325. En même temps, je connais mes machines, je connais le taux d'humidité que je vais avoir, je connais la masse qu'il y a dedans. Fait que, tu sais, plus que tu connais ta machine, plus tu peux te permettre d'aller un petit peu plus haut. Je pense, au début, c'est legit si tu y vas un petit peu plus bas pour t'habituer à ça. Tu n'as pas tant de plus de chances de réussir ou pas réussir. C'est vraiment juste d'avoir un contrôle sur ce que tu fais, puis il n'y a pas vraiment de...
Il n'y a pas vraiment de limite ou quoi que ce soit. Là. Moi, personnellement, 300-325, c'est un bon guess. Fait que là, ce que je vais faire, le papier, papier bouché. Ça, en passant, là, je vois souvent des posts où est-ce que je trouve du papier bouché. Tu as deux options. Soit tu la jettes en magasin, puis honnêtement, je pense que c'est 40$ pour genre même pas 100 pieds, ou tu la jettes 42 km chez Méran, qui est un gros rouleau qui va me faire 4 vies pour genre le même prix, genre 45$. Fait que moi, personnellement, ben, à moins que tu tiennes absolument à avoir des prints sur ton papier, moi, j'en ai un petit peu rien à foutre. Fait que j'achète le papier chez Méran, papier bouché, juste pas prendre le papier ciré parce qu'évidemment, dans une certaine température, ça va fondre. Puis ça, c'est pas super winner, tu veux pas ça. Donc, pourquoi je prends le papier bouché versus le papier d'aluminium? Les deux sont bons. Le papier d'aluminium va apporter beaucoup plus de steam, je dirais. Le papier bouché va laisser te passer quand même un petit peu. Tu sais, il faut avoir cet effet de braisage-là que tu veux avoir, dans le fond, quand tu fais des ribs à cette étape-là. Tu vas quand même avoir ce résultat-là, mais tu vas garder un petit peu plus de bark, un petit peu plus de croûte d'épices qui va être un petit peu moins... moins molle, mais là, tu sais, vous voyez la couleur, là, on est là, là. Déjà là, je pourrais en manger, mais je le ferai pas. Fait que là, après, tu sais, il y en a qui préfèrent ne pas emballer, je te jure pas. Ça m'arrive de le faire pas emballer non plus, quand je suis trop paresseux pour aller emballer. Donc, j'ai mon papier bouché. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de mon mélange de... Un peu de... Est-ce qu'on... Attends, on le voit-tu bien? Attends, je vais juste lever une petite affaire. Oui. On va mettre un petit peu du spray que j'avais dans le fond, à peu près 2 à 3 cuillerées à soupe, à peu près. Là. Tu sais, pas, mais en pas 2 litres, là. Mais en même temps, c'est ça qui va te faire un peu steamer la patente. Fait que ça a bien de l'allure. Là, je vais rajouter, pourquoi pas, encore un peu de rub. Mon miel épicé de tantôt. WhatsApp. J'ai vu tantôt où Joe était dans les commentaires, là, Joe Lagacé, LL Prohibition, toute sa sauce asiatique. Faut que je goûte à ta sauce, Joe. Si t'es encore là, je sais pas si t'es encore là, mais si t'es encore là, faut que je goûte à ta sauce asiatique. J'ai acheté une petite affaire de rub parce que ça va se mélanger avec mon liquide, parce que ça va devenir juste délicieux. Ben, une petite slice de sirop d'érable. Tu peux mettre un autre sucre, là. Tu peux mettre un peu de cassonade, tu peux mettre du miel, tu peux mettre... Mets ce que tu veux, le cassonade, miel, un sucre binal que j'aime beaucoup utiliser personnellement. Ton charbon est étendu partout ou juste sur le côté? Ah, je vais te l'expliquer dans 2 secondes. Et puis, je vais mettre une petite slice de sauce barbecue. Je veux vraiment qu'elle se mélange avec le liquide. Tu sais, je veux pas qu'elle cuit ou qu'elle brûle sur ma côte, dans le fond. Fait que je vais mettre juste un petit... ça, tu vois, il n'y a pas de label là-dessus, là. Mais qu'il y en ait un. Jump là-dessus. Ça s'en vient. Qui est absolument une sauce que je travaille depuis hyper longtemps, qui est absolument hallucinante. Fait que, tu vois, j'ai pas mis trop de stuff. Juste un petit peu. Là, la côte, si t'es pas habitué, je viens-tu de geler, moi? OK, je suis revenu. La côte, t'as mis côté. OK, ben là, on dirait que ça a gelé le temps que je l'ai faite. Côté chair sur ton mélange. Là, ce que je vais faire avec le papier bouché, surtout, vas-y, le plus serré possible. Tu veux vraiment rapper ça hyper, hyper serré. Pour que toute cette chaleur reste à l'intérieur. Je me reviens ça de bord. Là, gardez en tête que le côté qu'on veut avoir sur la grille, c'est le côté viande tout le temps dans cette étape-là. Et cette étape-là, moi, va me durer peut-être à peu près une heure, là, 45 minutes, une heure. Pas tant que ça. Bon, pour répondre à la question sur Yama, là, je travaille avec le reverse flow dans... Pas trop longtemps, la main dessus. Je travaille avec le reverse flow dans le Rama. Dans le Yama. Donc, j'ai le smoke baffle qui va être installé. Ma sortie va être de... Attends, je vais mettre le show comme il faut. Là. Pendant que ma fille fait des danses TikTok un peu louches d'ailleurs. Incroyable. Attends, je te lève ça. Le projet J, toi. C'est le point J. Oh, en tout cas, whatever. OK, donc mon charbon, moi, je vais le starter vraiment de ce côté-ci. L'ouverture de mon baffle est de l'autre côté.
Le trou va être là, en fait. Donc, je vais allumer mon charbon ici, puis progressivement, il va brûler jusqu'au bout pour que ma chair ressorte là et ma fumée sorte là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cette trappe-là dans le bas et cette trappe-là sur le dessus, ici. Les deux autres vont être fermés. Ça fait vraiment comme un effet reverse flow. Puis la combustion va se faire quand même assez, assez tranquillos. Tranquillos, je pense que c'est la première fois que j'utilise ce mot-là. Attends une seconde. Deux fois ma face, c'est peut-être un peu trop. Bon, fait que ça, je suis prêt à le retourner. Je le remplace par l'autre. Il devrait être prêt. S'il n'est pas prêt, ben, pardonnez-moi. Là, il est un petit peu tight, ces deux. Mais d'après moi, ça devrait être pas fait. Ça, on va sortir ça de là. Je mets lui là. Je m'en viens ici. Je vais m'ouvrir ça sur une autre planche. Évidemment, changer les planches entre les deux parce que tout ça, là. Le cru et le pas cru, c'est ordinaire. Fait que là, on est là. Voilà. Il fait toujours aussi froid, toujours autant qu'au début. Fait que donnez-moi un peu de love par rapport à ça. Là. Donnez-moi des likes, des enfants quand même. Là. J'aime bien ça. J'aime bien, bien ça. Alors, on la kick-tu la semaine du Super Bowl ou on la kick pas? Je t'ai-tu dit 5 recettes, 5 jours? Je t'ai-tu dit que les côtes de flan durant 4, 1,25 la livre, encore cette semaine? Moi, j'irai m'en chercher une boîte. Bon. Fait que là, je déballe ça. Normalement, j'y rate pas. Je vais faire un bon 10 ans, je ne les ai pas manqués. Fait que ça devrait être pas pire. Fait que là, tu vois tout ça, là, tu vois le juice, tout ça, là, tout est là, tout est là, là. Tout est dans ma côte. Là, je vais me slider ça ici. Donc, juice de juice. Je vais venir me mettre un peu de sauce barbecue. Là, c'est le moment. Là, tu as le choix, OK? Là, je le ferai pas là, mais je te dirais, si tu veux caraméliser un peu ta sauce après, c'est le moment pour le faire. Tu vas aller retourner ça un petit 5-10 minutes. Fait que tout ce que tu entends sur le 3-2-1, là, oublie ça. 3 heures, 2 heures, 1 heure. Là. Si tu mets ta sauce pendant 1 heure, c'est sûr à 8000% que ta sauce va être brûlée. 8000%. Attends, je vais baisser les odds un peu, mais ta sauce va être brûlée. Bon, tu vois, là j'ai. Oh, en toute honnêteté, j'aurais peut-être donné une coupe de degrés de plus. Là, ça va être pareil pour l'exemple. Là, pour couper, trouvez ça de bord. Tu peux mettre la sauce des deux bords. Parce que la sauce est délicieuse, on va en mettre des deux bords. Alors, moi qui en reste plus dans la bouteille. Il en reste un peu. Donc là, tu pourrais retourner ça au barbecue, peut-être un max 15, là. Max 15 minutes, ou même pas, 5 minutes. 5 minutes un peu à feu direct pour juste finaliser tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper entre mes os. Dans le fond, c'est pas de tes os. J'ai un os ici, je viens couper vraiment entre mes os. Fait que ça va vraiment mieux de le faire à l'envers comme ça que de l'autre côté, parce que si tu le fais dans l'autre sens, ben, tu spots moins bien tes os, puis tes morceaux sont plus irréguliers, je te dirais. That's it. Là, et voilà. Puis là, si t'es wild un petit peu, tu drop une petite affaire de simple as that. Fait que ribs, ceux qui m'écoutent doivent le savoir, mais tu bouts pas ça, évidemment. Tu cuis ça tranquillement, tu cuis ça jusqu'à 200. Ça dépend. T'sais, moi, je suis un gars de clean bite. Je vais aller jusqu'à 195 degrés interne. Clean bite étant tu prends une bouchée et tu vois un peu ta bouchée dedans. Si tu aimes enlever l'os, va overcook à 205-210. Ça va te permettre d'overcook un peu et d'enlever l'os. Moi, personnellement, j'aime mieux quand il y a un peu de consistance à travers tout ça. Mais tu sais, quand je parlais d'une belle épaisseur de flan, là, c'est quand même assez.
pour une côte, comme je disais tantôt, pour une côte québécoise, là, il y a quelque chose qui est assez magique là-dedans. Bon, quand je parlais du clean bite, là, vous voyez ma bouchée qui est là. On est un peu là sur le clean bite. Fait que là, c'est exactement ce que tu veux. Comme tu sens, c'est à peu près 195 degrés. Comme je dis, j'aurais pu la pousser un petit peu plus encore. Je pense que tu n'es pas à 100%. Mais tu comprends le principe, tu comprends le topo. Super bon produit. Donc, allez voir ça, le rang 4. Demain, si vous écoutez le show, si vous écoutez Autour du feu, qui est à l'épisode 58, j'ai Sam Food Drink, Petite Main, qui est là, puis j'ai Simon Dess qui est là. Fait que checkez ça, 5 recettes, 5 jours, ça s'en vient, ça commence là, à partir de demain. Il y a des... Non, je voulais pas, je veux pas... Mais il y a des affaires de fou dans les 5 recettes que je fais. Comme... On dirait que chaque année, j'essaie de pousser ça un petit peu plus loin. Je l'ai faite. Il y en a une principalement, mais que vous allez voir de quoi ça a l'air. Ça n'a juste pas rapport. Une recette avec les chaînes, là, tu sais, souvent, on va faire, je donne un petit scoop, là. On fait avec les chaînes, on va faire le porc effiloché. Moi, je l'ai emmené ailleurs. Je l'ai emmené dans une autre recette complètement. Quand vous allez voir ça, vous allez capoter. Fait qu'en gros, ça commence à refroidir. Je suis froid, mais je suis chaud en même temps. Fait que bref, je m'en vais en dedans. Comme je disais, les étapes, rapidement, on passe ça. La côte Saint-Louis, on va enlever le côté, on veut quelque chose de bien rectangle. On va enlever le petit bout de flap là, qui est dans le fond, qui a du cartilage dedans. Il n'y a même pas de... Fait qu'on va s'arrêter au 11e os. On va couper ça, faire un beau rectangle parfait. On enlève la membrane, on dégraisse un peu au besoin. On rub, on envoie ça au barbecue. Après ça, on emballe. J'ai mis un peu de... Ben, mon mélange jus de pomme, sirop d'érable. J'ai mis un peu de sirop d'érable. J'ai mis un peu de d'os. J'ai mis un peu de mélange d'épices à l'intérieur. J'ai-tu mis quelque chose d'autre? Ah, j'ai mis un peu de sauce barbecue aussi. J'ai envoyé ça emballé pendant à peu près une heure. Jusqu'à temps d'atteindre la température que tu veux. T'sais, moi, mon gars et mon gars... Mon gauge, c'est 195-200 degrés, là, à peu près 200, là, t'sais, idéalement. Là, tu veux que les bouts des os sortent un petit peu de tes côtes, comme je dis. Là, il me manquait peut-être une petite affaire, mais vous avez compris le principe. C'était ça. C'était mon petit live improvisé du dimanche. Je m'en vais manger des ribs. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Partagez le truc. Vous connaissez. Si vous aimez ça, aimez-vous ça, des live recettes? J'en fais-tu plus? Le spécial du... Good job, mon boy. Va te chercher un verre. Ouais, c'est clair que c'est là, je m'en vais. À 1,75 la livre. C'est pas 1,25. En tout cas, on va checker ça. Au pire, je vais l'appeler. Je vais dire « Drop ton spécial » parce que je viens d'en parler. Fait que, en collab avec mes chums du Rang 4. Le Rang 4, Alex, Projet Barbecue. Have fun. Bon souper. Bon dimanche. On se reparle bientôt. Checkez les recettes qui s'en viennent cette semaine. Vous ne voulez pas manquer ça. Je m'approche tranquillement parce que je suis quand même loin du setup là, pour vous dire « Peace ». Merci d'être là à chaque fois, je l'apprécie énormément. Puis on roule un petit vidéo de fin, là. Ça, c'est parfait, les vidéos de fin, là. Fait que, hey, bye tout le monde. Let me stand next to your fire. Hey.